Attendez, je vais d'abord prendre. Ouais, maman. La vie, maman. Blessée de guerre. Maman, je suis à la maison, oh maman. Ma voiture en panne. Blessée de guerre. Yesh. Les femmes. On a nos du shame. Bonsoir, oh maman, blessée de guerre. Attends. Qui m'appelle en vidéo? Oh, mon frère, si. Attends, quand je suis en direct, il appelle pour parler à sa mère. C'est comment, non? Oh. Maman blessée de guerre. Oh, attendez. Sa connexion dérange. Maman blessée de guerre. Vraiment, c'est une femme de la diaspora. Vous faites honte. Maman, tu pleures pour Benjamin Nyat. Attends, attendez d'abord. Il y a Harry ici jusqu'à. Attends, j'appelle un peu mon petit frère d'abord. Aïe, je me dis que... Bonsoir, oh maman. Attendez, on lance un petit japap dans le noir. Ouais, la connexion ne passe pas bien. Je ne sais pas pourquoi. La maman dort. Elle fait une petite sieste là. Dès qu'elle se réveille, je t'appelle. Attends, je prends mon téléphone un peu. Blessée de guerre. Attendez, je prends mon sac. Maman blessée de guerre. Le foie de Mensi fait les choses. Je ne sais pas qui veut m'appeler. Quand tu appelles en absence, par rapport à quoi? Ouais, yo, vous croyez que le téléphone que je mets souvent en ligne en direct, vous croyez que je repense après? Maman, comme vous... La vie. Donc, Benjamin Nyat, on pleure pour lui. Vraiment, vous les femmes, vous n'avez même pas honte. Une vieille ratatouille. Tu pleures quoi pour un enfant comme ça? On va organiser un direct. C'était pour mettre l'avant-goût, pour qu'on écoute les voices, pour enjoy, non? Le froid s'y fait des choses. Regardez. Elle pleure quoi? Vraiment, le froid de Mbengsi, pardon. Le foie de Mbengsi, attendez, on commence, non? Hé, ma mère s'est ouverte. Ouais. Attendez, je cache. Je parle fort. Allons-y, on écoute, non? Ah, ok, ma. Tous Nandi. Ah, non, sinon, finis, non. Je n'en sais. Maintenant, ah, je télé. Je n'en sais, je télé, là. Maman, t'es, attendez, je tourne la caméra. Entends, ma. Parce que je suis en train de. Je suis en train de faire certaines choses là. Hein, maman, viens t'asseoir. Attendez d'abord, maman terre. Attendez d'abord que maman terre. Au Congo, ça là, attendez d'abord, maman terre va d'abord s'asseoir. Je n'ai pas engagé télé. Non, télé au jeu. Voilà tes chaussons même. Non, c'est une jeu télé. Je te mets quoi, maman, tu regardes. Tu mets quoi comme télé?
Je parle avec mes gens. Hé, maman, reste là, si tu veux. Attends. Attendez. J'enlève, attendez, je mets comme ça alors. Vous savez que Mbeng, non, c'est les Touara. Attendez, je mets d'abord le film à ma mère. Maman, blé goudé. Les femmes aiment les voyous, qu'est-ce que quand je dis voyous, voyous quand même, blé goudé. Il y a une catégorie de... Maman. Maman, je te sais un peu d'eau à boire. Maman. C'est une sonore. Attendez, je vais servir l'eau à ma maté. Tu vas en goûter, maman. Les yaourts. Yaourt avec la compote. Non. Non? Attends, je te sers un verre d'eau. Je vous ai dit qu'elle ne boit plus, non? L'alcool, je ne suis plus sur ça. Je bois seulement l'eau gazeuse. Maman, mettons les voix ici. Blé boudé. Il y a ce comment? Voilà, maman. Attendez, je mets les chaussons à la matière. Attendez, je lui mets les chaussons. T'as une chaussette. T'as une chausson, maman. Non, crojo. Oh, j'en ai. Non, wako. Mets les pieds ici. Voilà. Goûte. Mais c'est même ma soeur cause avec mes gens. Tiens, maman. Voilà, je te mets le film Nanjama. Non, au film, non. Comment on appelle même votre chaîne là? Attendez un peu. Et mets d'abord les chaussons à la matière. Attendez, une minute, pardon, j'arrive. Attendez, lui mets les chaussons, je viens. Tiens, maman. Voilà, maman, tu n'enlèves pas, tu dors avec ça. C'est les chaussons, tu dors avec. Attendez, je suis là, attendez. Maman, on lance. C'est la toto de... Hé, hey, les femmes. On a nos dichem. Yémalé, les femmes. Les femmes. Les femmes. Yé, 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 yé. Quand l'hiver m'a faut les femmes qui aiment. J'ai dit que hey, maman. Hey. Blé goudé. J'ai aussi les voix. Attendez. Je commence à mettre, non? Vous êtes prêts? Il s'est repenti. Ne vous inquiétez pas. Hein. Blé goudé m'avait déjà dit que ma soeur. Pardonne-moi tous les insultes qui ont été insultées. C'est mon frère, je l'ai pardonné, non. Depuis. Voilà ça. Regarde, Benjamin, tu ne m'aimes pas. Et moi, je te le dis toujours et je dis et je répète que tu ne m'aimes pas, même un tout petit peu. Parce que moi, je ne sais pas ce qui te prend. Je ne sais même pas ce que tu veux d'abord. Parce que normalement, si tu t'es réfléchi, un homme réfléchi, un homme qui raisonne, est responsable. Tu ne dois pas aller draguer une femme et dire que tout ce que tu fais avec la femme là, tu es en train de mettre une autre femme au courant qui n'est même pas ta famille, qui n'est même pas ta soeur. Elle est aussi une amie comme toi. C'est quoi ce bordel là même? D'abord même, c'est quoi ton problème? Et puis, tu acceptes qu'elle me manque le respect. Moi, je suis une femme, hein. Quand elle me manque le respect devant toi là, tu es content? Et puis, tu veux quoi? Tu veux seulement qu'elle je ne sais pas. Tu veux seulement que mon nom soit à Bruxelles ou quoi? Va alors, va avec elle, pardon, je te laisse avec elle, laisse-moi tranquille, pardon. Tout c'est comme tu as commencé à dire que même quand on s'est embrassé, tu es parti lui dire là, va avec elle, c'est bon. C'est bon comme ça, laisse-moi. Tu n'as pas honte d'embrasser un petit gars. Vraiment, ça c'est les mêmes bandes comme les Amer Kamé. Vous les voyez sur Facebook, il y a les femmes qui meurent derrière eux. On continue. Après, s'il faut bisser, on bisse. Et vous savez qu'il va passer à la PDG TV, puisqu'il est un homme harcelé. On va organiser un spécial direct pour lui, on va ouvrir la ligne. Chacun va donner son avis. On reprend, non? Regarde, Benjamin, tu ne m'aimes pas. Et moi, je te le dis toujours. Mamie, tu n'as pas honte? Une tise à chercher l'amour? Qui ignore que Benjamin Nia t'est marié?
qui ignore que c'est un homme officiellement marié avec sa femme et ses nombreux enfants, qu'il a la Chine populaire dans sa maison. Qui ignore ça? Quelqu'un peut être à Facebook ignoré comme le gars là expose ses enfants, sa femme, tout le monde sait que c'est un homme marié. Tu n'as pas honte, tu demandes même qu'on t'aime. Écoutons. Un tout petit peu. Parce que moi, je ne sais pas ce qui te prend. Je ne sais même pas ce que tu veux d'abord. Parce que normalement, si tu t'es réfléchi, un homme réfléchi, un homme qui raisonne, est responsable, tu ne dois pas aller draguer une femme et dire que tout ce que tu fais avec la femme là, tu es en train de mettre une autre femme au courant, qui n'est même pas ta famille, qui n'est même pas ta soeur. Elle est aussi une amie comme toi. C'est quoi ce bordel là même? D'abord même, c'est quoi ton problème? Oh, oh. Et puis, tu acceptes qu'elle me manque le respect. Moi, je suis une femme, hein. Okay. Quand elle me manque le respect devant toi, là, tu es content? Quel courage! Et puis, tu veux quoi? Tu veux seulement qu'elle me... Je ne sais pas. Tu veux seulement que mon nom soit à Bruxelles ou quoi? Va alors, va avec elle, pardon. Je te laisse avec elle. Laisse-moi tranquille, pardon. Comme tu as commencé à dire que... Même quand on s'est embrassé, tu es parti lui dire là, va avec elle, c'est bon. Maman, une vieille chouette comme toi. Elle embrasse le mari d'autrui. Vous savez que moi, je défends les hommes, les femmes mariées en détresse. Donc, quand une tise à vidéo comme ça, écoutez. Comment tu peux jouer avec moi jusqu'à arriver à ce niveau, non? Elle pleure. Tu me laisses au café, on ferme le café. Jusqu'à maintenant, on nous a mis dehors. Tu me dis que tu es en train d'arriver. Je t'appelle, je te dis qu'on est en train de nous mettre dehors. Parce que le gars a dit que tout le monde va sortir. Je ne vais pas rester dans la voiture, je t'appelle. Qu'on nous a mis dehors. Parce qu'il faut fermer le café. Tu me dis tu arrives. Maintenant, tu me dis encore que tu arrives. Donc, je vais toujours rester là pour t'attendre seul. Et si on m'agresse, moi, je suis parti. Hein. On agresse les gens en bain. Écoutez. La jachée de ça. Quand j'ai créé le logo de FDL, les gens disent que Flore, tu as créé le logo de FDL. Pourquoi? Quand tu vois quelqu'un qui pleure la jachée en plein nid, elle pense quoi? Tout ce qu'elle est la dernière cliente d'un restaurant. La dernière cliente d'un restaurant jusqu'à on les chasse. Je n'invente pas, voilà ça. Comment tu peux jouer avec moi jusqu'à arriver à ce niveau, non? Ouh. Tu me laisses au café, on ferme le café. Jusqu'à maintenant, on nous a mis dehors. Tu me dis que tu es en train d'arriver, je t'appelle, je te dis qu'on est en train de nous mettre dehors. Parce que le gars a dit que tout le monde va sortir. Je ne vais pas rester dans la voiture, je t'appelle. On nous a mis dehors. Parce qu'il faut fermer le café. Tu me dis tu arrives. Maintenant, tu me dis encore que tu arrives. Donc, je vais toujours rester là pour t'attendre seul. Sans attendre. Si on m'agresse, moi, je suis parti. Hein. Si on t'agresse, maman, on agresse en Beng. On est au Cameroun. Tu dis? Envoyez les cœurs. Tu m'as dit que je fais ton nom. Chérie, Coco chérie, merci hein. Coco chérie, il a de boire son vin hein. La fille en train de squatter à l'arrêt de bus. Coco chérie, je dis que. Écoutez, les hommes hein. Vraiment les robsy. Coco chérie. Vous n'entendez pas sa façon là. Regardez, quand tu vas sortir avec un homme comme Benjamin Nia qui est sur Facebook, un gars qui est sauvage, je ne sais même pas que. Il est d'abord sauvage et les femmes aiment ce genre, c'est ça. Regarde, il va passer à la PDG TV, il a demandé l'audience. Il veut passer exposer son problème. Écoutez. Tu dis? Tu m'as dit que j'ai fait ton nom. Regarde. Il te dit oui, il n'y a pas de problème pour moi. Hein? J'ai fait ton
Hey, les gars là, hein? Mettent quoi dans la poche? Mais chérie, mais quand tu m'as dit, il t'a pété, alors tu m'as dit que tu étais amené, tu m'as dit que ne sors plus, tu m'as dit que toi t'étais parti, donc tu vois qu'il fasse encore comment maintenant, tu dis qu'il rentre encore derrière. Hé! Mais toi, ça laisse, mais c'est l'autre, là, mais la rue vient ici, là, non? Mais je m'attends. Mais je m'attends. Mais je ici, là-haut. Non, c'est je m'attends, je vais chez Pedro, ça va, alors. Mais là-bas, mais là-bas. Tu me dis que tu es chez Pedro, j'arrive chez Pedro en roue là, tu me dis que je sors. Non, tu me dis que tu es chez Martin. Ouais, maman, tu souffres quoi toi, comme tu ça? Où, toi, tu es où? Derrière nos maris. Je suis chez Pedro, je dis que je suis dehors. Toi, tu es où maintenant là? Eh. Je suis devant chez Pedro. Vivian se trouve dans 5 minutes à la place, Baron. Tu vois, 5 minutes là-bas. Il ne veut pas que les gens te voient. Viens, tu vois, c'est 5 minutes à la place, Baron. Ne fais pas que les gens te voient. On se voit en 5 minutes à la place, Baron, ça va? À quel Baron? Oui. Le gars dit merde de la souffrance. En plus, toi, tu n'as même pas même un petit respect. Oh. Tu l'as devant moi avec les femmes. Tu tournes, tu ne pas acheter la cigarette. Tu tournes, maintenant, je t'appelle, je sens que tu es dans un endroit où on te boit. Tu ne tournes pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal comme ça, Benjamin? Il faut respecter les gens. Hein? Hey. La qualité d'homme, si, il n'y a que sa femme qui peut respecter. Hein? Écoutez, hein. En plus, toi, tu n'as même pas même un petit respect. Tu l'as devant moi avec les femmes. Tu tournes, tu ne veux pas acheter la cigarette. Tu tournes, maintenant, je t'appelle, je sens que tu es dans un endroit où on est en train de boire. Tu ne tournes pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal comme ça, Benjamin? Il faut respecter les gens. Hein? J'arrive, tu andas, tu me dis, je rentre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que je suis là-bas. Mais ça, c'est posé. Je suis déjà là. Je fais comment? Oulou. On a dit un buzz par jour. Comme un buzz. Mais tu m'as dit que non, tu es dans la maison. Reste à la maison. Il y a des problèmes. Non, je suis dans la maison. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Tous tes frères bâtiers. Ils sont tous. Je suis dehors. Tu restes dehors. Ils sont là tous. Tout le monde est là. Que tous tes frères bâtiers sont là. Ils sont en train de monter tous. Ouais, reste à la maison, non, Michel. Ils viennent, non? Ouais, ils vont t'appeler, non? Il y a quel problème? Oh, pourquoi tu fais des trucs comme ça là? Hey, oh, les hommes en euros, maman. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vas m'afficher pourquoi? Tu vas m'afficher pourquoi? Quand tu vas m'afficher? Entre eux deux qui affichent qui? Quand tu vas. Regardez la souffrance des femmes en bec. Regardez vous-même, hein. Comme vous voyez qu'on ramasse même les clochards, on met dans la maison là. Quoi? Que non, ne m'affiche pas. Tes frères sont là, cache-toi. J'arrive, tu andas, tu me dis, je rentre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Vas-y, je suis là-bas. Mais ça. Je suis déjà là. Je suis en train de go avec Soulé. Tu n'as pas honte. Reste à la maison. Il y a des problèmes. Tu vas venir ici. Tu vas trouver les Hippolytes, tous tes frères bâtiers. Ils sont tous. Je suis là. Tu restes là. Ils sont là tous. Tout le monde est là. Ils sont là. Ils sont en train de monter tous. Ouais, reste à la maison, non, Michel. Ils viennent, non. Ouais, le chantier, si. Il y a des problèmes. Oh, pourquoi tu fais des trucs comme ça là? Excusez-moi, est-ce qu'on le reçoit à la team pour ce chantier? Si vous êtes d'accord, envoyez les queues. Est-ce qu'on peut le recevoir pour les queues? C'est un homme marié, hein? Et c'est quelqu'un de haut qui le poursuit pour le... Qu'on monte dans la voiture. On pas fait que dans la voiture. Il faut voir la carrue. Ah, s'il te plaît, moi, c'est notre maman. Ah, la maman, là, c'est notre maman. Non, c'est un dossier que j'ai reçu, non, maman? C'est un chantier qu'elle vient de recevoir. C'est un petit marché qu'on a reçu là, une sous-traitance. Non, laissez, on gère, et puis on envoie ça en sous-traitance, puisqu'on a les travailleurs sans salaire. Oui, donc, c'est un petit chantier. On le reçoit, il dit qu'il est harcelé. Je pense que notre télévision n'est pas une télé où on trie les gens. Si quelqu'un a son dossier,
Si quelqu'un a vraiment ses problèmes, qu'il veut parler à la PDG TV, il peut venir. On ne peut pas dire notre chaîne télé est une chaîne ouverte à tout le monde entier. Pour passer à nos chaînes télé, on n'a pas besoin d'audience, de ceci, cela. C'est tout. C'est les abeilles qui décident. Écoutons. J'arrive, tu andas, si tu me dis, je rentre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que je suis là-bas. Missa. Je suis déjà là. Je fais comment? Missa, je suis en train de go avec Souley. Comme tu l'étais appelé, tu m'as dit que non, tu es dans la maison. Reste à la maison. Il n'y a aucun problème. Non, je suis dans la maison. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici, tu vas trouver les hippolytes, toutes tes frères. Oui, c'est une femme blessée de guerre. Je suis là. Tu restes dehors. Tu vas me voir maintenant. Ils sont là tous. Tout le monde est là. Ils sont là tous. Ils sont en train de monter tous. Ouais, reste à la maison, non, Michel. Ils viennent, non. Ouais, ils vont t'appeler, non. Ils sont à Bruxelles aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Pourquoi tu fais des trucs comme ça, là? Oh là là. Mais ça, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu veux m'afficher pourquoi? Tu veux m'afficher pourquoi? Je t'ai affiché. Mais quoi? Tu dis que les gars sont en train de sortir. Mais ils pourrissent, tout le monde sort. Ils sont en train de sortir. Ils ont fait une réunion des chauffeurs. Ils sont en train de sortir. Ils vont te trouver. Je suis là, ma voiture est garée là, vraiment devant le café. Ils vont pas prendre la voiture. Ils vont regarder. Tout bien, Miss, arrête ça, arrête ça. Oh, Miss, pourquoi tu fais des trucs comme ça, chérie? Mais pourquoi? Mais c'est moi, je te dis, non? Ne viens pas ici, là. Ne viens pas ici. Les gars sont en train de sortir. Ne viens pas ici, là. Je te dis. Ne viens pas ici, là. Pourquoi tu m'as demandé de m'aller venir? Mais toi, tu m'as dit que tu étais à côté. Mais quand tu m'as dit que tu étais chez toi, que mon reste donc chez toi, il y a pas de problème. J'ai fini ici, là. Je t'ai appelé. Je suis à Bruxelles. Je suis à Bruxelles avec Soule. Soule à sa maison, il est à Bruxelles. Je suis là avec lui. Je suis là, Miss, okay. Je suis là. Ok. Tu fais que je suis là. Oh, non, tu ne vois pas. Je te vois pas, tu ne même pas ici là où je vais. Bon, tu vois Hippolyte. Hippolyte est là. Tu ne vois pas, il ne voit pas la lumière. Micha, pardon. Allô, toi, tu ne vois pas, bébé. Oh. Ouais, chantier, si. Attends, regarde-moi de l'autre côté, tu vas me voir. Je ne te vois pas. Et tu vois pas. Mais voici. Il veut pas que tu m'affiches. Non. Ne m'affiche pas. Il veut pas que tu m'affiches. Eh, elle est pas où avec un enfant comme ça, dis donc. Encore non, qui? Non, tu me vois pas. Non, tu me vois pas. Pourquoi tu m'affiches pas, s'il te plaît? Un enfant de Facebook. Pas. Quelqu'un qui est sur non, Facebook. Je suis dehors. Je vois personne dehors. Les hommes. Moi, je te vois en ligne. Je sens que tu t'en fous. C'est pas grave. Moi, je suis rentré chez moi. Tu me laisses au café, tu me fais venir là-bas. Et puis, tu joues les jeux. C'est ça, jeu que j'aime pas. Tu tournes devant moi. Après, tu dis que tu vas acheter la cigarette. Je t'appelle, je sens que tu es dans un autre café. C'est comment? Mais maman, tu dois comprendre que c'est... Voilà. Oh. Il y a les petits gars en Belgique avec qui tu peux sortir, pas Benjamin. A... En plus, toi, tu n'as même pas le même petit respect. Tu es là devant moi avec les femmes. Tu tournes, tu ne peux pas acheter la cigarette. Tu tournes, maintenant, je t'appelle, je sens que tu es dans un endroit où on est en train de boire. Vraiment. Tu tournes, tout pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal comme ça, Benjamin? Il faut respecter les gens. Hein. Ah. Comment tu peux jouer avec moi jusqu'à arriver à ce niveau, non? Tu me laisses au café, on ferme le café. Jusqu'à maintenant, on nous a mis dehors. Tu me dis que tu es en train d'arriver. Je t'appelle, je te dis qu'on est en train de nous mettre dehors. Parce que le gars a dit que tout le monde va sortir. Je n'ai pas resté dans la voiture, je t'appelle. Elles sont avec qui comme ça? On nous a mis dehors. Mais c'est ça. Parce qu'il faut fermer le café. Tu me dis que tu arrives. Maintenant, tu me dis encore que tu arrives. Donc, vous les filles, vous êtes comme ça. Seule. Et si on m'agresse, moi je suis partie, hein. Vous les hommes, vous les femmes là, vous êtes comme ça. Même quand on vous montre que vous aimez être avec les gars dangereux de Facebook, du vrai n'importe quoi. C'est quoi ça? Oui, je suis sur mon lit. Mm-hmm. Tu te fous de ma gueule, c'est pas grave. Tu dors, maman. C'est toi qui dis que j'ai honte peut-être de sortir avec toi. Mais je trouve que c'est plutôt toi qui as honte. Je sais pas s'il y a quelque chose qui est caché derrière. Tu me diras parce que je comprends pas. Pourquoi tu aimes la boisson? C'est pas pourquoi tu aimes la boisson, même plus que ma présence. Hey. Ah, de toute façon, moi, je sais pas. C'est à toi de voir.
parce que tu m'as fait le message la dernière fois en disant que notre relation n'est pas le café. Oui, j'ai compris. Maintenant que j'ai même voulu que quand tu viens me voir, que tu n'as pas bu, on aille même s'asseoir quelque part, hormis des Camerounais. C'est toi qui as peur. Et c'est toi qui ne peux pas t'arranger qu'on va même hors des Camerounais. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel jeu tu joues. Ça va, bonne nuit à toi. Amuse-toi bien. Bonjour, Benjamin. Écoutez. En tout cas, tu dis que je ne veux pas prendre ton téléphone. Je ne prends pas ton téléphone. Parce que c'est comme si tu avais tendu un piège que je tombais sur ça. Et je ne peux pas tomber. Moi, je ne tombe pas comme tu penses là. Même si tu as envoyé quelqu'un qui me drague, je ne suis pas une femme avec les cuisses légères. Je vais te dire ça aujourd'hui. Mm-hmm. La personne va bien venir draguer et tout. Je ne refuse pas qu'on me drague. Je suis une femme, non. Il drague, ça ne fait rien. J'accepte. Mm-hmm. J'accepte de draguer et tout. Mais pourquoi on passe à l'acte, ça ne sera pas facile. Mm-hmm. Donc, il faut toujours bien envoyer. Et puis, tu me manques le respect. Je t'avais dit que l'amour à toi, ce n'est pas bon. Mm-hmm. Tu causes avec moi, tu rentres de Paris. Je ne voulais même pas t'envoyer le voice. J'ai cru que l'autre jour, tu allais venir pour que je parle avec toi. Tu es parti plutôt voir où c'est ta mère, où c'est qui, moi, je ne sais pas. Tu lui as dit que je t'ai invité chez moi. Et il faut comme ça... C'est comme ça qu'on crie sur moi à la boutique, voilà, Benjamin qui est venu chez toi, oh, il faut donner mon argent. Quel argent? Vous jouez même à quoi même en fait? Tu penses que le jeu que tu as fait avec l'autre jeu avec elle, ça m'a plu? Ça m'a pas plu? C'est pour ça que moi je prends pas ton téléphone. Tu penses que je suis une gamine? Je suis pas une gamine qu'on met au tribunal. Et puis qu'est-ce qu'il y a que je te dis que comme tu es en train de rentrer d'un voyage. Je sais que bon, peut-être que tu as besoin de manger ou quoi que ce soit. Je te demande alors que passe par ici. Avant ton rendez-vous de 20h, tu manges. Tu étais obligé d'aller dire là-bas que je t'ai appelé de venir manger ici. Tu étais obligé. Oui, les femmes. Hein. Mais dis-moi, est-ce que tu étais obligé? Maintenant, tu dis que tu as trouvé un nouveau gars qui a rendez-vous. Même si tu as monté n'importe qui, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais sache que tu es en train de me manquer le respect, mais tu ne connais pas. Tu te vantes comme tu as rencontré un nouveau petit gars, hein, que tu as rendez-vous avec lui dimanche. Hein. Hey. Je suis au courant de tout. Hey, il y a la jalousie sur ça. Je suis hein. Au courant de tout. Tu as rencontré un nouveau gars qui te drague. Tu as rendez-vous avec lui demain dimanche, non? Il est même jaloux. Hein. Mon ami. Okay. Je ne réponds plus jamais à mes appels. Pardon. Il pleure. Blessé de guerre. Plus. Tu te vantes comme tu as rencontré un nouveau petit gars, hein, que tu as rendez-vous avec lui dimanche. Hein. Je suis au courant de tout. Et puis? Je suis au courant de tout. Tu as rencontré un nouveau gars qui te drague. Tu as rendez-vous avec lui demain dimanche, non? Minalmi. Je ne réponds plus jamais à mes appels. Je crois que c'est un bon yasseur. Les femmes aiment ça. Parce qu'elles ne comprennent pas. Plus? Tu m'avais dit la dernière fois que tu ne peux rien faire sans Mimi. Donc, qu'est-ce que toi et moi, on va alors faire? Qu'est-ce que toi et moi, on va alors faire? Donc, on va faire... C'est Mimi qui va prendre la décision, alors. Donc, moi, pardon, laisse ma vie tranquille. Laisse-moi tranquille. Et le gars, elle montre qu'il aime sa femme. Tu veux me draguer? Moi, je m'en fous. Écoutez un peu, le gars valorise sa femme devant les gars du dehors. Mimi, c'est comme ça, la femme, hein? La femme officielle. Donc, il est comme ça, il vante sa femme devant les femmes là-dehors. Écoute. Plus, tu m'avais dit la dernière fois que tu ne peux rien faire sans Mimi. Donc, qu'est-ce que toi et moi, on va alors faire? Qu'est-ce que toi et moi, on va alors faire? Donc, on va faire... C'est Mimi qui va prendre la décision, alors. Donc, moi, pardon, laisse ma vie tranquille. Laisse-moi tranquille. Si tu veux monter n'importe qui, on va me draguer. Moi, je m'en fous. Je vais te dire, ma vie n'est pas une vie au carrefour. Ma vie n'est pas la vie du carrefour. Ma vie n'est pas la vie du carrefour. Et moi, je te répète toujours. Ma vie n'est pas la vie du carrefour. Et tu as vu la façon que tu es parti dire à Mimi que je t'ai appelé de venir manger. Tu as vu la façon qu'elle se comportait devant toi. Tu as aimé ça. Tu as aimé. Oh là, je veux que ça s'arrête à ce niveau, s'il te plaît. Tu as aimé ça.
Elle a commencé à te raconter des conneries. Oh, je lui dois machin, machin, machin. C'est quoi ce problème? C'est pour ça que je vous ai raccroché au nez. Vraiment? Je te redis encore, parce que moi, je vois que tu es en ligne là. Les femmes. Quand tu as commencé à dire que tu me mets, Mimi n'était pas là. Hein. Tu n'avais même pas encore la relation avec Mimi. Hein. Ah, Mimi, c'est même pas sa femme. Donc, c'est pas Mimi qui me donne chez toi. Hein. C'est une autre. Donc, arrête-moi un peu tes conneries, pardon. Arrête-moi un peu ça. Je dis bien, arrête-moi. Parce que tu vois bien la relation de Mimi. Mimi a peur de toi, mais elle n'a pas peur des autres. Hein. Aujourd'hui, elle s'est fait parler, elle va mettre mon nom dehors. Pardon, laisse-moi, pardon. C'est pas une femme qui n'a pas honte. Laisse un peu mon nom. C'est laquelle? Quelle Mimi? Je te demande à Sania, pardon. Je vais te encore, je te redis encore, parce que moi, je vois que tu es en ligne là. Quand tu as commencé à dire que tu me mets, Mimi n'était pas là. Hein. Vraiment. Tu n'avais même pas encore la relation avec Mimi. Une hein. femme qui va aller sortir même d'abord avec Mimi. Donc, ce n'est pas Mimi qui me vraiment, donne chez toi. Hein. Excusez-moi. Hein. Donc, arrête-moi un peu tes conneries, pardon. Arrête-moi un peu ça. Je dis bien, arrête-moi. Parce que tu vois bien la relation de Mimi. Mimi a peur de toi, mais elle n'a pas peur des autres. Hein. Aujourd'hui, elle s'est fait parler, elle va mettre mon nom dehors. Pardon, laisse-moi, pardon. C'est pas une femme qui n'a pas honte. Laisse un peu mon nom. Pardon. Je te demande à Sania, pardon. Benjamin, je redis bien. Franchement, ton amitié avec Mimi, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à savoir et je ne t'ai pas demandé de te séparer de Mimi. Je redis encore. C'est toi qui veux mêler notre relation avec Mimi. Or, pour moi, je me dis que même si c'est Mimi qui m'a donné chez toi, je dois avoir quand même ma vie intime. Je dois avoir aussi quand même ma relation intime. C'est dans ce sens que je dis. Hein, parce que tu as bien écrit que quand on s'est embrassé dans la voiture, tu es parti lui dire ça. Hey. Voilà. Donc tu es prêt à dire que même si je fais l'amour avec toi, tu vas aller lui dire ma vie intime est alors où? Et tu fais quoi avec? Parce que moi je n'aime pas vos choses. Parce le que genre je de femme si elle, il faut lui dire. Tu parles, tu parles là-bas, dis. Même le message là, si tu veux pas lui montrer. C'est comme ça, j'ai déjà compris vos jeux là, j'ai déjà compris ça. Tu cherches quoi là-bas? Tout ce que tu es en train de faire, tu vas aller dire. Même le message est, va lui dire, vous continuez toujours à me manquer le respect. Je t'ai dit que l'autre jour qu'elle m'a appelé devant toi. Qu'elle m'a appelé devant toi. Pour m'agresser, tu étais content. Quand elle m'agressa, tu étais content. Est-ce que normalement ça se fait comme ça? Comme elle se met à la boutique, elle commence à dire devant tout le monde que oui, Benjamin a dit qu'il vient chez toi, oui, il faut donner mon argent là-bas, machin, c'est là. Donc tu as aimé ça alors? Tu as aimé? Moi, je t'ai pas demandé de te séparer de Mimi, hein? Non. Parce que je ne connais pas ce que vous traitez, je ne connais pas votre relation à fond, je ne connais même pas, je cherche même pas à savoir. Je parle de moi. Parce que ce qui me concerne, tu mets ça au carrefour. Donc ça veut dire que je n'ai plus de vie, et je n'ai plus mon intimité. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas autre chose. Parce qu'il ne faut pas aller grammatiser. Et moi, j'étais tranquille dans mon coin. Je n'ai pas envie que mon nom est là-bas à Clémenceau, partout par là. Je n'ai pas envie. Mais Benjamin, si tu es une grande personne, comporte-toi. Comporte-toi. Si tu es une grande personne, comporte-toi. Hey, c'est quoi avec vous? Je coupe quoi le direct? Je ne coupe pas. Comment tu peux m'exposer comme ça? La personne de quelqu'un, alors comment? C'est comment? Je coupe pourquoi? C'est un chantier, je ne coupe pas. Flo, excuse-moi vraiment parce que... Je ne coupe pas. Je coupe pourquoi? Faut que les femmes arrêtent. Elle sort quoi avec Nyat? J'ai aucun problème avec elle. Mon problème, c'est qu'elle fout quoi avec lui? Elle me l'a dit. Mais je te dis aussi que non, elle m'a dit ça. Je ne coupe pas. Je ne suis pas Mimi. Vous comprenez, non? Il fout quoi avec? Mais je pense que m'appelle encore pour me répéter. Pour moi, c'est comme un Congo. Et ça me dérange. Il fout quoi avec? Ce n'est pas le Congo. Je coupe pourquoi? Je ne coupe pas. Est-ce qu'elle est la seule? Je suis allée chercher ça dans vos portables. Les femmes n'ont pas honte. Elles foutent quoi avec? C'est même pas ça. Tu peux même sortir avec un petit gars, mais un est-ce gars discret. La fréquente? Quand vous regardez Benjamin Yala, il est discret. Je lui dis bonjour. Je suis obligée d'inviter des amis que j'ai des filles.
Je ne coupe pas. D'accord, Lydie. Quand vous avez entendu que Bathier, vous dites que coupe. Vous les baminequez, vous êtes comme ça. Vous les baminequez, vous êtes comme ça. Quand vous avez entendu que non, elle est Bathier, c'est là alors que vous tous vous entendez. Dites non, il faut couper, il faut couper. Donc laisse le Japap comme ça. Elle a 52 ans. Elle fait quoi avec Nia? J'étais venue te dire que elle soit avec Niad et tout, machin, c'est cela. De quoi? Hein? Que j'étais venue te dire que elle soit avec Niad. Et tu es venue lui dire que j'étais dit qu'elle soit avec Niad. Vraiment? Moi, je suis venue lui dire. Oui. Mais il y a un film de peur. Elle soit avec un voyou. Niad, c'est un voyou qui l'ignore. Ah, moi, je ne sais pas. Qu'elle manipulait, elle parle jusqu'à être dans le foie. Voilà que vous êtes en train d'envoyer les têtes de mort pour signaler le live. Je vais vous bloquer même si vous êtes abeille. D'accord? Conférence, tu me mets en conférence. C'est quoi avec vous? Moi, je suis allée chercher ça là-bas. Attends un peu, je veux. Ok. J'étais où? Ok, donc on ne le reçoit pas. Il est venu, moi je ne connais pas qui c'est. Il est venu me dire qu'il est un homme harcelé. Il veut passer à la PDG TV. Maintenant, c'est vous qui connaissez. D'accord, tata, je vais couper. Ça alors. D'accord, laissez, je coupe alors. Ouais, la maman, là, il faut me pardonner. Moi, je reçois les chantiers, je ne connais pas. Il m'a dit qu'il est harcelé par une vieille chouette. Moi, je ne connais pas. Parce qu'elle est venue là, elle a dit que oui. D'accord, je vais couper. J'étais ici avec ta fille. Que les femmes se respectent. Avec ta fille. Ta fille a dit que. D'accord, je coupe alors, ça va. Il y a encore beaucoup de voix ici. Il y a là où ils sont à l'hôtel. Vous avez entendu Bathier? Je vois les Bathier là. Vous avez entendu Bathier? Les Bamileke, le tribalisme. Si c'était une autre tribu, vous allez dire que laisse jouer. On coupe le chantier alors, ça va. Mimi Popo, je suis pas contente de toi. Bon. Tu n'as pas revendiqué et ça, c'était pas bien. Moi, je parlais, je n'ai pas parlé comme un coco, ça. Moi, je l'ai dit, peut-être que non, ce n'est pas bien. Elle m'a dit si que. Vous connaissez El Mundo? Ce sont les buveurs de champagne de Belgique. C'est lui qui il a fait son entrée. Les Casas. Les Casas de quoi là? C'est un film espagnol et il a atterri, il est sorti dans le cercueil. Les Bess. Ce sont les buveurs de champagne de Belgique là. Ils connaissent. Dans le dossier, on rejette. Hein? Ok, on laisse alors. Voilà tout ça. Voilà les voices. Voilà tout ça. Hein? Je ne suis pas là pour dire que. Voilà tout ça. Voilà ça. C'est beaucoup. Voilà ça. Voilà ça. Voilà quand lui et moi, on s'insulte souvent. Ça. Quand je l'avais insulté, Carrage Clou Belge. Voilà ça. Donc, ce n'est pas comme s'il y a beaucoup. Regardez. Vous dites qu'on arrête le chantier. D'accord, on arrête le chantier alors. Vous avez le dossier rejeté à la team PDG. Un gars qui est blessé de guerre. Vous dites que... Attendez, je bloque une personne qui vient me parler. Moi, les chantiers, je ne vais pas chercher. Hein. Même si elle sort avec Nia, est-ce que c'est un voyou? C'est sa vie. Ce n'est pas obligé de venir balancer. Ah, si Nia n'est pas un voyou, les voyous allaient se retrouver là. Tu réfléchis même, Ricardo Kenye, que même si elle sort avec Nia, ça fait quoi? Ça fait quelque chose, c'est son égal. Hein? Ça fait quelque chose, c'est son égal. Jusqu'à elle le harcèle.
C'est son égard. Tu ne sais pas qu'il y a des personnes que quand on sort avec, on se cache. Attendez, je bloque d'abord les gens qui envoient les têtes de mort là. Je bloque tout de suite. Donc, vous soutenez alors ce genre de comportement. Que certaines vieilles chouettes là, elles doivent se respecter. Je suis désolée. Hein? Elle est de son âge. Moi, j'attends sa réaction, qu'elle envoie sa part. Elle envoie son, la part des voix. Dites-lui de me contacter, hein, que la team PDG est prête à l'écouter. Si elle veut parler, il n'y a pas de problème. Mais si elle veut garder le silence, nous, on ne force pas pour avoir les chantiers. Nous, on reste, ça nous retrouve. Maintenant, vous avez fait, j'ai arrêté le chantier. J'arrête, bon, je vous laisse alors. Je vous laisse et je bloque tout le monde. Bisous. Bisous. On va réfléchir. Les Yuri Gagami avec Mulemboma Danger. Alice Nana, les têtes de la team, vous allez réfléchir. Les Njinjim puissants, vous allez réfléchir. Si on reçoit le blessé de guerre Niat ici à la team PDG. Attends, il vient de m'écrire. Puisqu'il est un blessé de guerre, il est un homme harcelé. Il a dit qu'il veut passer à la team PDG pour s'exprimer. Eh, tata, tu es belle, hein? Eh, c'est comme s'il connaît la maman aussi. Mais deux. Non, je veux couper le direct. Je coupe et j'efface. Mais deux. Oui, non, pardon, ne faites plus ça. Les gens, quand ils la regardent, c'est comme si... Non, vous savez quoi? Pardon. Ne, pardon. Je vais couper le direct, je vais supprimer. On reçoit la dame d'abord. Dites-lui que si elle veut passer à la PDG TV pour laver son image. On n'était pas avec eux. El Mundo, vous avez dit qu'on arrête le chantier, non? Franchement, soyez fair play pour les écans. Vous applaudissez. Voilà, c'est ça. Voilà pour leur soeur. Hein. Vous avez vu les Bamileke, non? Le tribalisme, c'est eux. Ils ont entendu que Batier. Dès qu'ils ont entendu Batier, ils ont commencé à dire que non, on laisse comme ça. On laisse comme ça. On ne peut pas parler de ça parce que c'est une fille du village. Vous avez vu? Quand c'est pour eux, ils ne supportent pas. Hein, et nous, on fait comment quand on nous ramène le chantier? Hmm? Bon, Benjamin, il peut parler. Oh, maman, pardon. Il faut dire à la maman là que les hommes ne manquent pas. Pas la qualité de Blé Goudé. Pourquoi les femmes aiment les hommes toujours? J'ai coupé le direct. Ok, tata Lydie. C'est ta soeur Bafoussam, non? Je veux couper. Le chantier, si on donne... Oui, oui. D'autres disent qu'on continue. D'autres disent qu'on arrête. On arrête. Ouais, j'aime pas envie que si... Oh non, je ne savais pas. J'ai vu, c'est comme si je la connais, la maman là. Il faut aussi que les mamans arrêtent. Hein. Les mamans de l'Europe là, arrêtez de sortir avec vos petits-enfants. Ce n'est pas bien. Quand tu vois, arrêtez un peu. Tu ne sais pas que Benjamin est marié. Qui ignore comment il vante sa femme partout ici? Elle me donne, on ne continue rien. Au lieu de continuer, attends, Jenab a dit que... Ouais, pardon, arrête, elle a été manipulée. Vous êtes déjà allé écrire sur son inbox. Ouais, elle a été manipulée. D'accord, j'ai compris, je vais couper. Ok, ça va. Merci, alors, je coupe. Ouais, désolé, alors. Ça va, j'ai laissé les autres trucs plus... Là où ça chauffe, même dans la voiture, tout ça, je n'ai pas mis. Bisous, bisous.